Donc, bienvenue au webinaire Body Temple 21 jours pour plus de joie de vivre. Comment ça va se dérouler? Donc, je vais vous mettre ici un PowerPoint que vous pouvez regarder en même temps que je parle. Donc, l'idéal, c'est que si vous avez un bic et une feuille pour prendre note, si jamais vous avez des questions, à la fin, je répondrai à vos questions. Vous pouvez aussi ici les écrire à droite dans le chat. Si vous regardez le webinaire avec votre téléphone, vous avez aussi un bouton, il faut un peu trouver, où vous pouvez écrire des messages. Et pendant que je parle, vous pouvez même vous parler entre vous si voilà, c'est nécessaire. Et donc, ça va durer à peu près 45 minutes. Je vais vous exposer ici pourquoi moi je pense qu'une cure comme ça est vraiment un truc génial et fantastique à faire à n'importe quel moment de la vie. Qu'on veuille maigrir ou pas, l'effet secondaire ici avec cette cure, c'est qu'on peut vraiment perdre du poids à des endroits stratégiques et que c'est une cure qui a été faite par des milliers de personnes déjà et que j'ai déjà expérimenté un peu plus avant dans l'année. Et donc, je suis très convaincue de ce que je vais vous montrer ici. Ok, bon, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je partage ici l'écran. C'est toujours ça le moment où il faut choisir. Ok, partager. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Très bien. Donc, Body Temple, 21 jours pour plus d'énergie, force et joie de vivre. Et comment ça marche? C'est donc un mini-cours. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais vous dire ici peut vous servir si vous voulez faire cette cure vous-même, tout seul. Bien sûr, moi, j'offre ça dans une expérience de groupe parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on a le support du groupe. Et quand moi, je suis là aussi pour un peu aider, cadrer, pousser peut-être. Et comme je l'ai déjà fait, que j'ai un peu d'expérience, je peux être d'utilité. Et dans le groupe Facebook où ça se déroule, je donne aussi des choses au-delà de cette simple cure qu'on fait au niveau physique. Alors, pourquoi faire une... Donc, le thème ici, pourquoi faire une cure? La situation qui ferait qu'on n'aurait même jamais besoin de faire une cure. Mon parcours, bah pourquoi est-ce que je trouve que je peux en parler? L'énergie du corps, un peu expliquer comment nous pouvons capter l'énergie. Un tout petit peu de biologie, les suppléments, oui ou non, donc les compléments alimentaires, oui ou non, et pourquoi et lesquels. L'aide des huiles essentielles qu'on peut donc de laquelle on peut profiter. Bien sûr, comment bouger, pourquoi bouger, combien bouger, respirer et des rituels qui peuvent soutenir cet effort de purification des cellules. Donc, pourquoi ferait-on bien une cure comme ça? Les raisons sont tout à fait multiples. Vous voyez le petit bonhomme qui a 1% de batterie. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens qui font cette cure parce qu'elles sont tout le temps fatiguées ou elles n'ont pas assez d'énergie pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc, pourquoi on pourrait avoir cette fatigue? Parce que nos cellules sont encrassées. Nous sommes peut-être devenues trop grosses ou juste un tout petit peu trop grosses. Beaucoup de gens ont juste quelques petits kilos à perdre, 3 ou 4, hein, surtout après la ménopause ou bien quand on est vraiment stressé ou on grignote à longueur de journée pour compenser un stress émotionnel, peut-être même un stress spirituel. Pourquoi on ferait ça aussi? Parce que si on ne se sent pas bien dans sa peau, peut-être on est trop grosse, peut-être on est trop fatiguée, peut-être on se trouve, voilà, on se sent simplement pas bien dans la peau pour des multiples raisons. Les risques de la santé quand ça s'empire, l'état où on a malmené un peu le corps, je dirais, le mode de vie moderne où notre nourriture, même si on essaye de manger un peu sainement, elle est vide. Donc, si je mange des salades et des salades et des salades du supermarché et je pense que je vais bien me nourrir, je peux même avoir des carences parce que c'était la nourriture presque morte. Elle a été tellement longtemps peut-être cueillie avant pour les fruits et aussi les sols s'appauvrissent. Donc, il est à l'heure actuelle pas évident du tout de bien se nourrir, même si on fait beaucoup d'efforts et qu'on si on y met de l'énergie et du temps et de l'argent, ce que beaucoup de gens ne sont même plus capables de faire.
Le stress de la vie moderne fait qu'il y a un manque de temps et il y a une pression permanente. J'avais une fois écouté une conférence où quelqu'un, comment il s'appelle, Monsieur Chabot, je ne sais plus le prénom, il parlait du burn-out. C'est une conférence qui a eu beaucoup de succès. Et il disait, en fait, ce n'est pas seulement les êtres humains dans la société occidentale qui le sont, ces sociétés européennes plus spécialement, c'est toute la société qui va vers un burn-out. Parce qu'on essaye d'avoir tout tout de suite et de plus en plus vite. Ça se sent partout. Ça se sent dans les modes, ça se sent dans tout. On veut tout renouveler, tout jeter. C'est terrible. Donc, il disait ça, un burn-out de la société. Et je pense qu'on est dans un tourbillon très difficile de ne pas être pris dedans. Et ce qui se passe alors quand on est dans un état comme ça, et certainement je ne parle pas, parce que ce que je dis ici, vous pouvez certainement vous y retrouver, on n'a plus assez d'énergie ou de bonnes vibrations pour vivre la passion, sa passion. Beaucoup de gens gagnent leur vie, comme ils disent, ils ont un job, et ils y perdent presque tout leur temps, ils n'ont presque plus du tout de temps pour elles, surtout nous les femmes. Et alors, où est-ce qu'on a le temps pour vivre ses passions? Et on n'est pas au bon niveau vibratoire. Ça, celles qui ont fait la Summer School avec moi ont peut-être pu vraiment expérimenter ça. Quand on monte son taux vibratoire, et ça c'est peut-être un mot qui semble un peu théorique, mais on le sent tout d'un coup, on voit la magie qui nous entoure, on se sent différemment et on arrive dans d'autres univers. Je vais le dire comme ça. Bien sûr, quand tout le corps et notre mental et même notre esprit commencent à être encombrés, empoisonnés, surchargés, alors le cerveau est embrumé et la conséquence, c'est qu'on a difficile à concentrer, qu'on devient lent, inefficace, on s'en veut et on peut rentrer dans un cercle vicieux comme ça. Certainement, vous pouvez trouver encore d'autres raisons. Ça serait intéressant que tu me dises, par exemple, dans le chat, quelle serait ta raison pour réfléchir ou prendre en considération l'idée de faire une telle cure. Pour la petite histoire, je donne mes cours de danse orientale depuis 30 ans. Je donne les cours de danse orientale sur l'heure de midi dans le quartier européen et c'est un cours de 45 minutes. Et la Commission européenne, par exemple, ils ont décidé il y a 3 ans d'augmenter le temps de travail de 3 heures par semaine. Eh bien, quelle est la conséquence pour les femmes qui sont souvent des mamans? Elles viennent plus, elles prennent plus de pause de midi, elles ne s'octroient même plus 45 minutes pour danser. C'est flagrant. Il y a 20% des femmes minimum, enfin, peut-être même carrément la moitié qui ne viennent plus. Et ce que j'entends, c'est que cette fatigue qui s'accumule. Donc pour moi, il y a vraiment urgence. Et au lieu de dire, voilà, tu dois faire du sport, tu dois faire ceci et cela, cette cure ici peut donner une base, quelque chose au niveau vraiment physique, où on récupère quelque chose d'essentiel pour pouvoir assumer le reste. Donc où est-ce qu'on serait idéalement, si on pouvait vivre comme on veut et si on serait vraiment, oui, comme tout serait idéal, on se lèverait avec enthousiasme, on aurait plein d'énergie pendant toute la journée, aucun coup de pompe, on serait fier de notre corps, on rayonnerait, on se sentirait attirante, heureuse d'être une femme et on aurait ce calme intérieur, cette concentration intérieure et cette clarté d'esprit qui fait en sorte que quand on se trouve devant une situation, on sait quelle décision on doit prendre. Et on pourrait bien dormir, on ferait des beaux rêves, on saurait qu'on peut faire confiance que le corps va réparer, va retravailler le vécu. Et le matin, on se reposerait, on se lève reposé. On se sentirait connecté à nous-mêmes, à la nature, aux autres, et on pourrait se sentir connecté à ce féminin sacré dont je parle autant et que je dis toujours, c'est un feeling, donc mettez-y le mot que vous voulez y mettre. Et donc ça, ce serait la situation tout à fait idéale, mais c'est malheureusement le cas pour très peu de personnes.
Voilà mon chemin avec la nourriture. J'ai donc été, et je vous le raconte juste un peu pour vous dire comment ça se fait que je m'y intéresse et d'où je viens en fait. Alors, quand j'étais adolescente, je suis devenue anorexique et boulimique. Donc, boulimique, ça veut dire manger et tout vomir. Et donc, je suis descendue comme ça, j'ai fait 1,67 m, je suis descendue à 47 kilos. Avec cette histoire, parce que je me trouvais éternellement trop grosse. Et j'avais une peur terrible de devenir une femme et de participer à cette vie d'adulte, parce que je trouvais que dans le monde, les adultes, ce qu'elles faisaient avec cette terre, avec les animaux, avec dans le monde, les guerres, les conflits, tous les divorces, tous ces désastres, je trouve qu'ils se sont un peu empirés, en fait, depuis que j'ai été adolescente. Mais bon, et je ne savais pas quoi faire pour ne pas participer à ça. Et donc, moi, ça me faisait peur. Je me suis dit, si je deviens adulte, je vais devoir aussi me salir les mains quelque part. Et donc, je n'ai pas trouvé vraiment une solution à un stress énorme et je me suis renfermée sur moi-même. Et ce que j'avais trouvé, c'était cette grignotage pour compenser ce stress énorme, cette peur aussi et ce vide. Et mon premier régime, je l'ai fait avec ma mère à l'âge de 12 ans. Et donc ça, c'est la première expérience. En 1990, j'ai fait mon tout premier jeûne. Donc le jeûne, ça veut dire boire que de l'eau, 15 jours. Et ça, c'était une expérience incroyable que j'ai adorée. En 2006, j'ai travaillé avec Martine Fallon et Atati, des coachs que je recommande, ils sont extraordinaires, je trouve, m'ont vraiment bien aidée sur ce chemin parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire un tas de choses moi-même, que vraiment j'avais besoin d'aide. J'ai fait aussi des thérapies parce que quand tu es accro à un tel point à la nourriture comme moi j'étais, je veux dire, quand on est anorexique et il y a vraiment au niveau psychologique quelque chose où on est dans un cercle vicieux, terrible. Et donc, j'ai fait en 2015 la première cure de jus de 21 jours. J'ai perdu 7 kilos. Je me suis sentie comme jamais avant, légère, connectée, comme ça. Je pouvais méditer sans aucun problème. Je me suis rendu compte que ça avait vraiment un impact profond sur cette clarté dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai perdu 7 kilos. Et là-dedans, il devait y avoir 4 kilos de muscles, 3 kilos de muscles. Et ça, je me suis rendu compte après. Et bon, je savais pas ça. Et Heike nous en avait pas parlé, mais elle faisait cette cure pendant 5 jours. Mais comme je me sentais tellement bien, je l'ai fait pendant 21 jours. Bref, là, il y avait un petit problème. Perdre des muscles, c'est pas ce qu'on veut, évidemment. Surtout à mon âge. Donc après la ménopause, on n'a pas envie de ça. C'est plus difficile à récupérer les muscles. Après, j'ai découvert la méthode Wim Hof, qui a eu un impact sur l'oxygénation et qui travaille avec le froid, qui est une merveille pour la santé. Ça m'a ouvert encore d'autres portes au niveau physique, au niveau de la conscience aussi de ce qui se passe. Après, j'ai fait 1 mois en cétose avec le docteur Berk. La cétose, j'explique ça après. Très, très, très intéressant ce sujet. Et ça, c'était sur une impulsion de Wim Hof, où j'avais suivi un stage à Londres. Et bon, comme c'est pas du tout son truc, mais c'est quelque part un superman. Lui, il a fait plein de records du monde pour nager, pour des apnées, nager dans le froid, etc. Bref. Et donc, on lui posait la question, comment on devrait se nourrir, et il a dit simplement, mettez-vous en cétose. Donc, moi, j'ai essayé ça. C'était super intéressant comme expérience. L'année d'après, j'ai fait une cure avec mon première expérience des compléments alimentaires parce que j'étais franchement contre. Je me dis des poudres, ça je veux pas prendre, je n'en ai pas besoin, blablabla. Mais après 9 jours, waouh, waouh, ça c'était extraordinaire comment je me suis sentie. J'ai pas maigri pendant ces 9 jours, mais j'ai pété la forme. Je me dis, oups, peut-être je vais réviser cette aversion que j'ai contre les compléments. Après, j'ai aussi, depuis 2016, commencé à utiliser les huiles essentielles comme support émotionnel. Et ça, c'est aussi une révélation. C'est très à la mode maintenant, mais pour moi, c'était quand même un début de commencer à les utiliser. Voilà, chaque expérience a laissé des profondes révélations et des mini-habitudes dans ma vie. Mon expérience au niveau des activités physiques et le travail émotionnel,
De l'âge de 6 à 22 ans, j'ai fait du ballet, la danse classique, enfin, danse classique, le jazz et la danse salon. Et c'était quelque chose comme 7 heures semaine. Idem pour la danse orientale que j'ai découvert en 88, un peu par hasard. C'est devenu ma grande passion. J'étais professeure de danse, je donnais des spectacles. Enfin, voilà, ça c'était très, très, très intense pendant 30 ans. Plus que 30. Après, comme ça m'intéressait, j'ai fait des cours de yoga, de qigong, de méditation. Enfin, je n'ai pas arrêté à apprendre parce que c'est passionnant. Et en 2015, après un burn-out, après vraiment un problème où j'étais malade pendant 10 mois, j'ai commencé à me relever moi-même avec la méthode que j'ai donc développée, que j'appelle Shandora, et dont celles qui ont fait la Summer School ont bénéficié. C'est avec cette méthode-là que j'ai pu me reconstruire et que j'ai pu donc, commencer une autre vie. Maintenant, je pratique depuis 2 ans la méthode Wim Hof, plus ou moins 10 minutes à 1 heure par jour. Et ça, c'est quelque chose. Le chocolat a disparu grâce à l'hypnose. Voilà, je vais en parler aussi. Et bien sûr, les huiles essentielles que maintenant j'ai intégrées au niveau pour m'aider au niveau émotionnel. Ok, bien. Donc, je vous ai parlé de mon parcours et point de vue sport parce qu'évidemment, dans la cure, toutes ces expériences et tout ce que je sais, je donne ça par petites gouttes, pas pour vous assommer là-dedans, mais quand même, c'est très, très riche et j'ai essayé tellement de choses que je sais aussi. Et puis, bon, j'ai une énorme expérience à donner cours et à guider des gens. Et donc, je sais quand je fais de trop, trop peu et qu'est-ce qu'on peut faire selon où on se trouve. Et donc là, je donne des choses qui sont vraiment simple mais qui ont un énorme bénéfice quand on les pratique. L'énergie du corps, brièvement, bon, vous avez tous eu à l'école des cours de biologie, donc je ne devrais rien vous apprendre de nouveau ici, mais il y a évidemment un équilibre entre l'énergie reçue et l'énergie dépensée. Et c'est comme ça qu'on ne grossit pas. Et ça, c'est l'idéal, hein. Et qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans le corps, hein, à votre avis? Eh bien, ça, c'est le cerveau. Donc, vous avez bien sûr les muscles qui consomment énormément, mais quand le cerveau commence à tourner à du 180 à l'heure, surtout quand il est super angoissé et stressé, il consomme énormément d'énergie. Ce qui, je trouve, assez étonnant. Nous nourrissons aussi des vibrations, même peut-être que nous ne sommes pas vraiment conscientes de ça. C'est pas seulement la nourriture que nous mangeons et ce que nous buvons, mais aussi des vibrations. C'est très simple à comprendre. Si tu te trouves à un endroit où avec des gens qui sont tous très négatifs, ça te pompe ton énergie. Tu sors de ça, de ce groupe, ou si tu dois vivre même avec des gens comme ça, tu sors de là, chaque fois tu as besoin d'une bouffée d'air parce que tu n'en peux plus, ça t'étouffe. Ça te prends ton énergie, parce que tout dans la vie est équilibre. Et donc, quand il y en a une qui a une énergie super pétante et beaucoup d'énergie, et d'autres n'ont pas du tout, il va y avoir un transfert d'énergie, sauf si on apprend à se protéger. Mais il va naturellement avoir ce transfert d'énergie des gens qui te pompent ton énergie, hein, ou si tu ne te protèges pas, ça va couler comme ça. Donc ça, c'est parce que tout tend vers l'équilibre. Et le vivant, dans le sens que si tu manges la nourriture vivante, vivante, ça veut dire tu vas dans ton jardin, tu cueilles tes fruits, tu cueilles ta salade. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'une salade dans ton jardin que tu coupes et que tu manges. Il n'y a pas photo. C'est un autre goût et ça te nourrit tout à fait autrement. C'est super important cette histoire de vibration et de nourriture vivante parce que c'est tout à l'heure quand je vais vous parler des compléments un élément important. Les carburants, c'est les glucoses, protéines, graisses, vitamines et nutriments. Ça, tu le sais. Et quand nous avons, donc les problèmes commencent, quand nous avons un déficit dans les carburants. On pourrait, bon, ben, j'ai pas besoin d'expliquer ça, je pense que ça va de soi, vous le savez parfaitement. Un déficit dans ces carburants, comment est-ce que je peux l'avoir? Ben, comme j'ai dit, si tu te nourris super bien, tu penses, et que ta nourriture, elle mine de rien quand même totalement vide de tout, parce que les sols ont été vides ou parce qu'on t'a nourri de OGM et qu'on ne sait même pas tout ce que ça fait. Donc, il n'est pas facile de ne pas être en carence. Et les problèmes sont principalement dus au stress et à une surconsommation du sucre. Le sucre, c'est un vrai poison
Et il faut en être conscient. Je pense que de plus en plus de gens le sont. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le sucre? Quand tu manges le sucre, là, on va le voir tout de suite, tu as le niveau d'insuline que ton corps qui doit produire pour compenser trop de sucre. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, ben c'est très, très bien, mais tu n'es pas censé être en stress aussi souvent ou autant, aussi longtemps. Et donc, cette hormone de cortisol, si ton niveau de cortisol est très élevé dans ton corps, ça va faire des dégâts. Le pH du corps va augmenter, donc il va devenir, ou augmenter ou baisser, comment tu vois, il va devenir acide. Et en fait, le sang, il doit avoir un pH, il a une marge très, très fine du pH. Et donc, quand tout ton corps commence à s'acidifier parce que à cause de la nourriture ou du stress, alors le corps doit trouver une manière pour alcalaniser, je ne sais jamais dire ce mot, le corps. Et ce qu'il fait, il prend ça dans les minéraux. Il a besoin des minéraux pour neutraliser l'acidité. Et les minéraux, il va les trouver dans les cheveux, dans les dents et dans les os. Et en fait, c'est ça aussi un peu juste une excursion ici, les femmes en ménopause. Quand nous, on a les règles, le sang, il est renouvelé. Et c'est ça aussi un peu, je trouve, révoltant qu'on donne des pilules et que les femmes n'ont plus les règles. C'est vraiment quelque chose que nous avons, nous, par rapport aux hommes, qui est extraordinaire. Peut-être que même pour ça, on a une durée de vie plus longue. Le sang est chaque mois purifié, enfin, purifié parce qu'il est renouvelé puisqu'on saigne. Et donc, quand on a la ménopause, ce sang n'est plus purifié, si vous voulez. Et si on continue à manger comme tout le temps, eh ben, tout d'un coup, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va commencer à prendre les minéraux et on perd les cheveux, on commence à attraper de la graisse parce que le corps doit aussi trouver un moyen où mettre toutes ces toxines et on peut avoir des problèmes de dents et des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant de tenir ça à l'esprit qu'il y a que le pH du corps, il doit être alcalin. Et alors le manque d'oxygène, si on n'a pas assez d'oxygène, l'oxygène est tellement important pour tous les processus dans le corps. Et on pourrait très bien dire, pas de problème, je n'étouffe pas, c'est pas vrai. On devrait idéalement bouger beaucoup, être à l'air libre, air non pollué, et on devrait respirer avec le ventre. Mais dans notre société, quand tu as du stress, tu vas respirer plutôt en haut, respirer plus vite et respirer moins. Et donc, tu as moins d'oxygène et ça va de nouveau donner d'alcaliniser. Acidifier ton corps. Et le manque de circulation du sang, donc comme je disais, ça, si ça circule, ça va irriguer tous les petits vaisseaux, ça va apporter l'oxygène et les nutriments partout. Mais si tu es assise toute la journée ou debout toute la journée, sans bouger, sans faire du sport, il y a de nouveau un grand problème. On n'est pas censé du tout vivre comme ça. Malheureusement, dans notre société, c'est ce qu'on nous propose comme style de vie. Et c'est triste, ça. Mais c'est voilà, c'est pour ça que tellement je m'efforce à faire bouger les femmes et de leur enseigner non seulement quelque chose pour se connecter à cette luminosité intérieure, mais de faire ça physiquement, parce que notre corps, c'est notre temple. Je vais m'égarer. Voilà, ce que je propose ici, cette cure de 21 jours, c'est une cure qui s'appelle Récalibrer le métabolisme. Super intéressante. Elle existe depuis plus de 30 ans et elle a été inventée je pense, si je ne me trompe pas, par un homéopathe, ostéopathe ou quelque chose. En tout cas, le livre ici, c'est homéopathe, ostéopathe, psychologue et docteur qui ont écrit ce livre qui est un résumé. Je le recommande si jamais vous faites la cure. Vous n'avez pas besoin de le lire parce que je vous donne déjà tout le début, les détails pratiques. Mais là-dedans, vous avez beaucoup de théories qui est expliquée. J'ai résumé ça ici pour vous. Et les principes de cette cure sont vraiment bien. C'est parce qu'ils apportent un plus par rapport à toutes les cures que j'ai vues et pratiquées jusqu'ici. Vous avez la réduction des calories, bien sûr. On voudrait perdre du poids, mais je vous explique pourquoi cette réduction des calories n'est pas forcément liée à une perte de poids si jamais toi là, tu ne veux pas perdre de poids, tu veux juste purifier tes cellules. Donc il y a une réduction, il y a un activateur homéopathique, un activateur métabolique qui contient la mémoire. Nous, je travaille avec l'homéopathie.
avec la mémoire de l'hormone HCG de la grossesse. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait à Hollywood à l'époque où les femmes se faisaient, ou les gens, parce que les hommes fabriquent cette même hormone aussi, se faisaient piquer cette hormone. Et alors, cette hormone de grossesse, ils ont constaté, les chercheurs, qu'est-ce que ça a? Ça ouvre les cellules, donc quand tu es enceinte, hein, tout ton corps se concentre sur le bébé. Et si tu ne manges pas assez, le corps va tout de suite prendre la graisse là où elle est disponible en plus grande quantité, c'est-à-dire au ventre, aux cuisses et aux hanches. Et en d'autres temps, le corps ne fait jamais ça. Le corps trouve que ça, c'est une bonne réserve et il ne va pas y aller. Ce qui veut dire que quand tu maigris ici, tu maigris peut-être au sein et là où tu veux pas, en fait. Et donc, c'est pour ça que cette hormone de grossesse, elle est intéressante. Donc là, comme je suis pas docteur, je ne vais pas te recommander de prendre des hormones de grossesse. Ça existe sous forme de gouttes. Je connais quelqu'un qui les vend, si jamais ça t'intéresse, tu m'en parles. Je ne sais pas si l'effet est encore plus intéressant avec la vraie hormone. Mais bon, tu comprends, moi, comme je ne suis pas docteur ni nutritionniste, je ne vais pas, moi, m'aventurier dans un endroit où je pense qu'il faudrait un suivi médical. Et les hormones, c'est quand même quelque chose. Donc, l'homéopathie, par contre, elle fonctionne très, très bien. Tu vas avoir dans cette cure des compléments. Un régulateur de pH pour la peau et les fascias. Les fascias, ce sont les peaux qui sont autour des organes et des muscles et pour leur souplesse de ça. C'est avec tout ce qui est chlorophylle, donc du vert, hein, chlorophylle, chlorella, spiruline, enfin calé, etc. Donc c'est un complément où il y a beaucoup de chlorophylle dedans pour éviter le stress oxydatif et le stress parce que tu vas ouvrir ces cellules graisseuses dans lesquelles il y a toutes les toxines qui se trouvent. Donc tu as ça, tu as on va s'oxygéner, je vais te montrer comment. Et dans cette cure, il n'y a pas de sucre ni de féculents pour rentrer en cétose, et donc on supplémente avec les compléments que je vais t'expliquer maintenant. Enfin, après. J'explique ici en théorie, enfin la théorie sur l'insuline, mais vraiment brièvement. Donc, quand tu manges du sucre, ton corps est habitué à carburer au sucre. Quand tu connais ça peut-être, tu as une hypoglycémie, tout d'un coup, ton énergie elle baisse et il faut que tu manges un truc. Parce que c'est le pancréas qui fabrique l'insuline. Quand tu manges du sucre, le sang, ton corps, il a besoin de régulariser cette quantité de sucre et d'avoir une sorte d'équilibre là. Et donc, tu produis de l'insuline pour ne pas avoir un choc de sucre. Et chez les gens qui sont diabétiques, ben, le pancréas ne produit presque plus ou plus du tout de l'insuline et doivent se piquer. Et donc, notre cerveau et les muscles prennent les sucres et les transforment dans les cellules en énergie et ils brûlent de l'énergie et vivent comme ça. Ça a, donc tout va bien, Mais ça a quand même le désavantage de pouvoir avoir des pics d'insuline de sucre et avoir des hauts et des bas. Tu sais certainement aussi que trop de sucre ou le sucre tout court a une influence vraiment sur la déprime, enfin sur ton état d'âme quelque part. Hein. Si on mange beaucoup, beaucoup de sucre, il y a des fortes chances que ça déprime psychologiquement. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Hein. Voilà, ici, ça t'explique ce qui se passe quand tu es en cétose. En cétose, tout d'un coup, boum, plus du tout de carburant, plus de sucre. Et ton corps, il va se dire, oups, maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas mourir, truc de survie, il va retomber dans sa manière de fonctionner qu'il avait il y a des milliers d'années, quand les êtres humains ne mangeaient pas de sucre, parce qu'il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait que les fruits, et les fruits n'étaient certainement pas la nourriture principale. Donc, au départ, nous avions fonctionné comme ça, avec les graisses. Et donc, le corps, le foie va produire des corps cétoniques. Les corps cétoniques sont, si tu veux, comme des sortes de clés qui ouvrent la cellule. Et à ce moment-là, la cellule peut faire rentrer les graisses et carburer, fonctionner, brûler les graisses directement. Mais pour pouvoir
que les graisses rentrent dans la cellule, il faut ce corps cétonique, sinon ce n'est pas possible. Donc au début, quand on switch de la nourriture du sucre vers la nourriture de brûler, plutôt à la place du sucre de brûler des graisses, on doit attendre que le corps fabrique ses corps, le foie fabrique ses corps cétoniques. Donc on peut avoir 2-3 jours de transition et ça peut donner des petits symptômes. C'est jamais très grave, surtout avec les compléments dont on va parler. Et l'avantage de cette cétose, c'est simplement que tu ne vas plus avoir des sauts d'humeur, ne plus avoir des hypoglycémies, parce que tu n'as plus, tu prends plus de sucre. Et l'insuline n'est plus importante. Donc, j'ai eu la dernière fois qu'on a fait cette cure, une personne qui était diabétique, qui voulait faire la cure. Et elle est d'abord allée chez le docteur, avoir l'accord du docteur. Hein, moi, je ne prends pas cette responsabilité, donc ça, il faut bien le savoir. Si tu as quoi que ce soit, comme difficulté physique, comme par exemple le diabète ou autre chose, tu dois aller chez ton docteur voir ce qu'il en pense. Et elle a eu comme résultat de ne plus devoir se piquer, presque plus se piquer. Elle était enchantée. Donc, la pyramide de nourriture en cétose. Ce qu'on ne mange pas quand on est en cétose, du pain, des pâtes, du sucre, du lait, du blé, des fèves et du riz. Ce qu'on mange par contre, c'est pas mal de protéines, de viande, les œufs, attention, oui, j'explique après, les salades, les légumes, un peu de graines et de noix et quelques baies. Attention, ça c'est la cétose quand tu ne veux pas maigrir. Pendant que nous on fait notre cure et pendant les 21 jours de la phase où on veut maigrir, on ne va pas manger des œufs et pas des huiles. Ouais, parce que pas de graisse non plus. Je crois que j'ai oublié ça dans mon slide. Alors, la cétose, est-ce qu'on pourrait faire ça soi-même sans personne? Moi, je l'ai fait, hein, au mois de décembre l'année dernière. C'est possible, mais attention, c'est un équilibre qui est un peu chatouilleux comme ça. Je recommande vivement, c'est super de se nourrir comme ça, mais de vraiment se renseigner, écouter des podcasts, aller voir le docteur, écouter le docteur Berk, se mettre dans les groupes de cétose, peut-être sur son GSM, télécharger quelque chose. Et c'est pour ça aussi que avec la cure que je vous propose, vous allez être en cétose sans devoir avoir toute cette connaissance, parce que grâce aux compléments alimentaires, on va pouvoir faire ça très très simplement. Vous avez un plan où je vous dis ce que vous ne pouvez pas manger et tout le reste vous pouvez le manger. Alors plus simple que ça, c'est pas permis. Donc la cétose, si le sujet vous intéresse, c'est passionnant de lire ce qui se passe dans le corps et je pense que c'est une nourriture, si on change d'habitude, c'est une excellente nourriture, une excellente habitude à avoir. Voilà les avantages de faire cette cétose. Si tu voulais juste maigrir en faisant que ça, ça ne coûte ça coûte pas les compléments, on va le dire comme ça, mais tu dois quand même faire super attention à la qualité des protéines que tu achètes et des légumes que tu achètes. Ça doit être vraiment bio, tu dois être sûr qu'il n'y a pas de pesticides et de choses comme ça dedans. Les désavantages, comme j'ai déjà dit, ça prend beaucoup de temps d'organiser ça, de cuisiner comme ça. On peut se tromper, il faut être rigoureux et si on ne respecte pas bien les choses, je ne suis pas sûre qu'on n'a pas un peu de danger d'avoir des carences pour son corps. Alors, avec les produits, les compléments que je recommande, tu as donc ces avantages d'avoir un système qui marche. Un système qui est approuvé depuis longtemps et beaucoup, beaucoup de gens ont fait cette cure avec ces compléments-là. Tu as donc un gain de temps énorme. Tu peux faire confiance à ce système parce qu'il y a tellement de témoignages, tellement de gens qui l'ont fait. Ça existe depuis tellement longtemps, aussi les produits, que je pense qu'on peut vraiment faire confiance. Moi, j'ai fait la recherche, j'ai trouvé que j'ai pas trouvé de commentaires négatifs. C'est facile, tu n'as pas besoin d'étudier tout ça. Tu as la garantie que tu ne vas pas perdre tes muscles avec ce système-là. Et tu as la possibilité, avec cette cure, de la faire toute seule.
Bon, comme je disais, si tu as des doutes, consulte le médecin avant. Cette cure, tu peux la faire toute seule, bien sûr. Moi, je la propose ici en groupe. C'est beaucoup plus gai d'avoir cette énergie de groupe et comme ça, moi, je peux aider. Ça a un prix, ces compléments. Et de toute façon, je pense que quand on prend des compléments, autant être sûr qu'on prend la toute haute qualité et qu'on est sûr que c'est bien fait dans une certaine conscience, une certaine philosophie, ouais, que ce n'est pas fait dans un but commercial, mais que c'est vraiment les gens qui produisent ces produits, qu'ils ont une conscience professionnelle et aussi peut-être, moi je dirais même spirituelle, ils ont un but, ils ont une raison honorable de faire ce qu'elles font. Là. Et le plus des produits que moi j'ai donc trouvé, qui m'ont été recommandés et que je trouve absolument de plus en plus convaincants, ces produits-là, ils sont refinançables. Ce sont des produits que tu ne trouves pas dans les pharmacies, ce sont des produits qui tu peux acheter directement online, ça aussi c'est une facilité. Tu peux les... Attendez une seconde, ils font tellement de bruit là en bas, je vais leur dire d'un peu se taire parce que moi je ne sais pas si vous les entendez, mais ça me perturbe. Ce sont mes hommes qui font à manger, mais ils sont enthousiastes, tout ça. Mais moi, ça me perturbe. Je ne sais pas si vous les avez entendus, mais moi, franchement, on aurait dit de un peu être moins, on crie un peu moins. Donc, les produits de Life Plus, tu peux les acheter sur, donc tu les trouves sur Internet. Le système de les commander est super facile. En fait, tu vas sur le site web, tu les commandes, ils arrivent 2, 3 jours après. Ce qui fait aussi que moi, je ne dois rien vendre. Et toi, tu ne dois pas te déplacer et essayer de trouver ces produits quelque part dans un magasin. Ça facilite énormément les choses. Et ces produits, ils fonctionnent avec un système que si toi, tu les recommandes hein, à 3 personnes, disons, qui vont aussi acheter juste les produits de base, toi, tu as tellement de points bonus que tes produits à toi vont presque être gratuits. Donc, je pense que c'est excellent comme système parce que voilà, ça peut pour certaines être vraiment intéressant d'avoir une réduction si elles veulent prendre des produits comme ça. Donc, la possibilité existe. Si toi, ça t'intéresse, de toute façon, ici, après, il faudra reprendre rendez-vous avec moi et on peut en parler à ce moment-là. Voilà les témoignages. C'est un seul post Facebook. Malheureusement, il est en allemand. Dans le monde francophone, j'ai encore pas trouvé autant de témoignages, mais ça a été traduit ici. Tu as ce post, un seul post. Hein. C'est un post, en fait, je t'explique vite fait. Trop rigolo. C'est une femme qui a, comme moi, organisé ici la cure de 21 jours. Et le groupe, dans un énorme groupe, et le groupe a grandi, 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 et les femmes se sont échangées des super recettes. Et elle a donc pris toutes ces recettes, elle en a fait un livre, et elle a fait un post dans son groupe Facebook, il a dit, ah, regardez les gars, moi j'ai pris, et j'ai fait toutes les recettes ici, et voilà. Et alors, en dessous de ce post, où elle parle juste de son livre, où elle a rassemblé toutes les recettes des femmes, des personnes dans le groupe, hein, c'est mixte, comment chaque jour, il y a de plus en plus de commentaires. Donc, moi, j'ai fait ça au mois de mai ici et les chiffres. Donc, tu vois que ce post, il a été aimé 2,8K de fois. Donc, 2,8K, je devrais savoir combien ça fait. Ça fait 280, je sais plus, 280 000. C'est beaucoup. Je devrais quand même le savoir. Bref, 2 299 partages. Et 768 commentaires. Et je les ai presque tous regardés parce que une fois que je commençais à les regarder, je ne pouvais plus m'arrêter. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et ça, c'était au mois de mai. Et quand j'ai commencé à prendre cette capture d'écran, tous les jours, il y en avait 3 ou 4 et ça se rallonge, ça se rallonge. C'est inimaginable. Donc ici, un commentaire, je vous ai rassemblé ceux qui m'ont le plus touché et que je trouvais le plus incroyable. Tu vois ici la femme à gauche et tu la vois à droite. Il n'y a pas photo que ça, ce n'est plus la même
personne. Hein. Et voilà ce qu'elle écrit. Donc, c'est mal traduit. Hein, c'est traduit de l'allemand par Google. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle avait des carences. Elle avait des migraines et voilà. Oh, c'est difficile à lire le bazar. Peut-être que celui-là, on ne va pas le lire. Elle avait 100 kilos hein, et, pour une taille de 165. Et donc, elle a maigri de combien? Je ne vois pas ça vite fait. Bon, bah, on le voit. Que c'est, hein? Maintenant, elle doit avoir quoi? 60 kilos là? 63 kilos, comme on la voit là? Voilà, la prochaine femme, 72 ans. Elle a été aussi en surpoids à 102 kilos. Elle a eu des douleurs articulaires fortes, des œdèmes, des pieds et beaucoup plus encore. C'est une amie qui lui avait recommandé la cure. Et sur une période de 4 mois, elle a perdu 25 kilos et elle a fait une pause et elle a encore repris. Elle a perdu 5 kilos. Et depuis lors, elle a gardé le poids. Donc ça, c'était en 2016, ça nous fait 2 ans. Les problèmes de santé, l'asthme, les douleurs articulaires sont presque tous dissous à cet âge-là. Je trouve ça incroyable. Elle est en forme, reprend goût à la vie et elle a gagné beaucoup en qualité de vie et elle est infiniment reconnaissante. Ici, on voit que cette cure, elle a aussi un impact au niveau de la peau, au niveau de comment les gens rayonnent. On voit ça avec les filles ici. Celle à gauche, elle avait des troubles de rythme cardiaque, de saignement de gencives, l'acné sévère, système immunitaire défaillant, des maux de tête terribles, troubles de sommeil et elle avait 12 kilos de trop. Et donc, elle a, grâce à ces problèmes-là, se sont beaucoup améliorés. Elle prenait apparemment beaucoup de médicaments et elle a mis à amélioration de la santé, plus de médicaments du tout. C'est un truc de fou. Bon, je dois dire que... attends, on va d'abord lire tous les machins, tous les témoignages. Alors, l'autre ici, elle veut partager son succès. Elle avait un rhume, des allergies alimentaires. Et moi, je ne vois pas ça à cause de ma petite fenêtre. Ouais. Et elle passait beaucoup de temps chez les médecins avec les médicaments. Elle avait des plaintes de rhumatisme. Et maintenant, elle a fait cette cure. Elle ne prend plus aucun médicament. Aucun médecin m'a vu. Elle a écrit « Et je suis indolore ». Donc, elle n'a plus de douleur et on voit quand même franchement que c'est une autre tête. Janvier 2017, avril 18. Hein. Ah, c'est fou. Alors, ici, encore autre chose, une autre personne, 52 ans, marche avec une petite tribune. Ça, comment est-ce que ça peut arriver à cet âge-là? C'est terrible, ça. Et donc, elle avait la sclérose en plaques, a été diagnostiquée. Elle a eu tout, le petit machin, comment on appelle, rollateur, ça s'appelle, fauteuil roulant, chimiothérapie, thérapie de cortisone, trouble de métabolisme, dépression. Octobre 2017, j'ai rencontré des produits de Life Plus et depuis novembre 2017, mon état sanitaire s'est considérablement, je crois pas qu'on dit sanitaire en français, s'est considérablement amélioré. Après avoir réussi la perte de 33 kilos, j'ai cessé de fumer, je peux aller sans la petite tribune, 4 km de jogging, de vélo et je me déplace sans vertige et, quand je marche. Je n'ai plus besoin de médicaments en accord avec mon médecin et mon neurologue. Grâce à mon soutien de Life Plus, je me sens très bien, je participe activement à la vie avec des nouveaux amis et des connaissances et grâce aux possibilités financières du marketing des réseaux avec Life Plus, je n'ai plus peur de la pauvreté. Ma vie est encore plus belle avec les super comment on dit ça, Zukunftsaussichten, ce sont des elle se réjouit de son avenir, elle a des possibilités pour son avenir. Donc ça a changé sa vie, ça, c'est clair et net. Ok, donc je vais vous parler, ah oui, ce que je voulais donc dire ici, pardon, ces gens-là, elles ont fait donc la cure, elles ont continué à prendre les fibres dont je vais vous parler, et probablement aussi le proanthénol qui est l'antioxydant. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut savoir. Après la cure, si on continue juste ça, on peut avoir à long terme vraiment je ne vais pas dire des guérisons, mais des résultats comme ça époustouflants. Si on a des grands problèmes, hein, voilà.
Donc, les produits de Life Plus. Pour la cure, ce dont on a besoin d'un shake avec des protéines. Et là, au corps, je trouve ça fabuleux. Tu trouves des protéines chez eux avec le goût vanille, chocolat. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils doivent mettre un goût de vanille au chocolat parce que j'aimerais bien son goût. Mais c'est toujours comme ça. Il est comme assez léger. Hein. Le goût de vanille ne me dérange pas. Et tu peux trouver des produits chez eux qui sont végétariens. Et ça, j'ai encore trouvé franchement nulle part. Génial. Leur protéine, shake de protéines est alcalisant, ce qui est aussi assez extraordinaire. Normalement, les protéines acidifient toujours le corps. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, tu ne vas pas avoir faim et tu ne vas pas faire fondre tes muscles grâce à cela. On a besoin des oméga 3, ce sont les bonnes graisses, puisqu'on ne mange pas du tout de graisse pendant la cure. Ceux-là, on les complémente pour être sûr qu'on les a, ils sont importants. Tu as un autre shake, c'est chaque fois des petites cuillères. Tu as un autre shake avec les minéraux, les vitamines et les fibres qui sont super importants pour ton transit intestinal et aussi pour nettoyer tes intestins. Tout ça, ça se règle et ça devient très beau. On prend le soufre organique, ça aide pour éliminer les toxines. Tu penses bien que si tu vas ouvrir tes cellules graisseuses et que là-dedans tu as stocké ton corps à cacher les toxines, les a englobées dans la graisse pour qu'elles puissent être plus agressives et dangereuses pour ton corps, quand on ouvre ça, alors toutes ces toxines viennent dans le sang et tu vas avoir des maux de tête. Et ton corps, pour l'aider, le soufre organique, il lie les toxines et se lie avec les métaux lourds et toutes ces choses-là et aide à éliminer plus vite sans te faire souffrir. Le pro-anténol, il est un super antioxydant et t'aide à garder l'élasticité des cellules. Super important, évidemment, pour la peau aussi. Donc ça, c'est le petit cocktail qui est préconisé. Tu peux évidemment, et c'est ce que moi je fais, j'ai facilement un manque en magnésium supplémenté avec du magnésium si tu as une envie. Donc dans le shop de online shop de Life Plus, tu trouveras d'autres choses si tu prends si ton docteur par exemple ou toi-même tu dis tiens je voudrais prendre ça en plus, c'est possible. Mais ça c'est la base. Alors, j'en parle ici, si ça t'intéresse les huiles essentielles, alors il y en existe deux qu'on peut appliquer localement et qui aident à faire fondre les graisses aussi. Ils sont photosensibles, mais peut-être si tu ne vas pas trop au soleil, c'est possible. Moi, j'utilise les huiles essentielles de la société Young Living qui ont une qualité extraordinaire. Et donc, si ça t'intéresse, on pourrait en parler. Et donc là, tu vois aussi des gens qui prennent, qui font fondre les graisses rien qu'avec les huiles. Moi, je vais donc donner comme plus, petit plus de ma part dans la cure, des consignes comment pratiquer la méthode Wim Hof. Je ne suis pas instructeur de Wim Hof, mais la base, tu la trouves déjà gratuitement sur le net, tu la trouves gratuitement dans une application du téléphone. Donc, je me permettrai de parler de mon expérience et d'expliquer les super bienfaits que ça donne. Et donc, mon petit plus que moi, je t'offre quand tu fais cette cure avec moi, ici du 15 août au 3 septembre, c'est que je vais prendre rendez-vous, je vais t'aider à commander les produits, on prend déjà rendez-vous, on va en parler, je vais t'aider si tu as besoin à décider si oui ou non c'est la bonne cure, c'est le bon moment pour toi, je t'aide à commander les produits, je te montre comment obtenir des réductions. Par exemple, faire en sorte que tu ne vas pas payer les frais de port. J'anime évidemment le groupe privé sur Facebook, donc tu vas avoir accès à ce groupe et avoir une dynamique de groupe. Une fois par semaine, on fait un petit call live où tu peux poser toutes tes questions, on s'en rencontre en groupe, on peut partager aussi nos succès. Ça, c'est très, très motivant de se parler vraiment entre nous. Et tout au long, je te donne des petits exercices, des rituels, des petites explications, quelque chose d'assez léger. Parce que comme cette cure va être facile à mettre en œuvre, mais elle a vraiment, tu vas recevoir aussi un petit, où est-ce qu'il est je ne l'ai pas, un petit PDF, tu vas avoir une checklist que je te donne dès que tu te décides à faire cette cure, une checklist de préparation, quelles sont les courses à faire, hein, quels sont les légumes, les trucs que tu peux faire, et tu reçois après un petit livre, une checklist, tous les jours, chaque jour, tu as à checker quels sont les compléments que tu prends, qu'est-ce que tu peux manger, pas manger,
etc. Donc, ça, c'est mon petit travail dans lequel j'ai investi pas mal d'énergie que je te donne en plus. Voilà. Comment obtenir les produits? Donc, je l'ai dit, c'est directement sur Internet avec un système de réduction. Et la livraison est assez rapide si tu comptes entre 2 et 3 jours chez toi à la maison. Le prix normal, donc ça, je pense que ça intéresse tout le monde de connaître le prix. Le prix des compléments alimentaires est de 225 euros. L'activateur, tu ne l'achètes pas chez Life Plus, tu vas à la pharmacie. À Bruxelles, il y en a une dont je peux parler. Je peux commander, donc demain, normalement, j'aimerais que enfin, le plus de personnes se décident demain, ça nous laisse quand même un temps jusqu'au 15. Je peux commander un activateur en Allemagne qui prend quelques jours à venir et si tu es à Bruxelles, par exemple, on se voit et je te le donne. Mais si tu es à Bruxelles, tu peux aussi aller à cette pharmacie. Si tu es maintenant en France ou ailleurs, je te donne les informations dans la checklist exactement et tu vas chez ta pharmacie et tu demandes si elle peut te produire cet activateur et sinon on se parle tout de suite et je t'envoie celui que j'ai commandé en Allemagne. Et mon accompagnement pour tout ce que j'ai mis comme énergie et connaissances là-dedans, je demande 60 euros. Donc ça te fait un total de 295 euros pour les 3 semaines. Et maintenant, ici, ma petite incitation pour toi, pour te décider, pour que je te pousse, pour vraiment prendre une initiative et de faire ça ensemble avec nous dans le groupe. Si tu te décides et que tu commandes les produits avant demain minuit, alors ça ne te coûtera plus que 249 euros. Donc, ce que moi, je contribue est quasiment gratuit là-dedans. C'est clair que, comme j'ai dit, ce sont des produits de recommandation. Si toi, tu achètes, moi, sur ton achat, j'ai une commission de 25 euros. Mais ça, c'est juste la première fois que tu achètes ces produits. Après, ce n'est pas 25 euros sur tout ce que tu achètes. Mais ça, c'est un petit cadeau. C'est aussi si toi, tu recommandes à quelqu'un à faire cette cure. Si cette personne commande les mêmes produits, tu vas recevoir, toi, 25 euros. Donc, c'est très sympa, ça je trouve, mais je trouvais ça honnête de le dire ici. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, si ça t'intéresse ou si tu as des doutes, je voudrais que tu prennes rendez-vous avec moi, idéalement demain. Je me suis tenue toute la journée libre pour tous les rendez-vous, toutes les femmes qui veulent faire un rendez-vous de 20 minutes, un truc, on discute ensemble et on peut, donc si tu te décides, on voit ça ensemble si c'est vraiment le bon moment pour toi, si c'est la bonne cure pour toi, on en discute. Tu reçois de ma par un email avec ce rendez-vous. Tu peux le noter quand même parce qu'en fait hier, je n'ai pas encore envoyé cet email, je me rends compte que je le dis là, ici, il y a des gens qui étaient dans le webinaire hier. On s'appelle donc dès que tu prends rendez-vous. Ce n'est pas grave si tu prends rendez-vous encore jeudi, vendredi. Samedi, je ne vais pas être disponible, dimanche, oui. Mais alors, il faut savoir que si tu demandes, commandes les produits dimanche, tu ne les auras pas avant mardi et peut-être même pas seulement jeudi parce que le 15 c'est un jour férié. Bon voilà, tu peux commencer cette cure un peu en décalé là, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, je voudrais clôturer un peu ces inscriptions évidemment aussi parce que j'ai d'autres choses qui prennent mon temps. Alors, on s'appelle, comme j'ai dit, je réponds à toutes tes questions, on décide ensemble. Et quand tu as commandé, quand tout est fait, je t'envoie cette checklist pour la suite. Et donc, le reste, je l'ai déjà raconté. Voilà, je vais dire, take it easy and relax. C'est vraiment ça avec cette cure. Tu vois ici ce qui t'attend si tu fais ça ensemble avec le groupe. J'espère que je t'ai donné envie, j'espère que j'ai clarifié aussi le pourquoi et le comment de cette cure, pourquoi je suis tellement enthousiaste avec cette cure. Moi, cette fois-ci, donc la dernière fois, j'ai perdu 3 kilos. Cette fois-ci, je la refais, j'aimerais bien perdre encore 3 kilos. Et ce qui se passe après la cure, donc tu fais la cure 3 semaines. Tu perds le poids que tu veux perdre. Si tu veux perdre plus de poids et que tu as trouvé cette expérience bien, tu peux faire une deuxième fois cette phase de perte de poids où tu continues à prendre aussi l'activateur et les produits. Et donc, tu vas perdre peut-être le double de ce que tu as perdu dans la première phase. Après ça, donc quand tu as fait ça 2 fois 21 jours, il faut faire une
phase de stabilisation. C'est-à-dire, et ça c'est important de toute façon, tu continues à prendre les produits que tu vas acheter là qui coûtent 225 euros, ils sont suffisants pour un mois. Et donc, tu arrêtes à ce moment-là dans la phase de ta stabilisation l'activateur et tu stabilises ton poids. Donc, tu vas commencer à introduire par exemple le sucre et le féculent et faire attention à ne pas perdre de poids. Pendant toute cette phase-là, ça te fait quand même 2 fois 21 jours, tu auras franchement eu le temps de te défaire de toutes tes addictions, enfin, espérons-le, en tous les cas, prendre une distance. Et ça, c'est ce que toutes les participantes m'ont dit. Si tu vois un peu les témoignages aussi qu'au fur et à mesure que je vais mettre sur mon site web. Et moi, j'ai expérimenté ça aussi. Tout d'un coup, quelque chose à l'intérieur devient plus calme. Ces compléments, ils te sont comme une sorte de douche de minéraux, de vitamines, de bonnes vibrations. Ces produits ont été conçus d'une manière à rester vivant, d'avoir les vibrations. Tout ça, c'est vraiment carrément, enfin, c'est un peu, comment je vais dire, ésotérique peut-être, mais ils savent le mesurer. Et c'est américain, ils sont méga stricts là-dessus. Et donc, ton corps reçoit une sorte de douche de tout ça. Et ça a comme impact qu'il veut bien laisser aller toutes les toxines parce qu'il sent qu'il est aidé. Et pour ton être, ça a une sorte, ça fait un calme d'esprit. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais tout le monde a eu ça. Et tout d'un coup, quand tu as ces addictions où ton cerveau va te dire, mais là, Gudrun, tu as besoin de chocolat, tu as besoin de ton prix frais, tu as ce calme quelque part. Et tu peux faire une différence entre ce que ton corps veut, ce dont corps ton il a besoin, ce que ton esprit a besoin, même spirituel si tu veux, et que le blabla incroyable et incessant et le nonsense que tu racontes à tête, tu as du recul, tu dis mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et ne pas se ruer sur toutes ces choses. Donc, les gens m'ont vraiment dit que ça a un énorme impact sur les addictions parce qu'il y a quelque chose de tout à fait autre qui arrive. Ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qui se passe avec le métabolisme. Cette cure commence avec 2 jours où tu t'empiffres. Ça, c'est excellent parce que tu te fais vraiment plaisir, tu manges tout ce que tu veux. Le but ici, c'est de faire en sorte d'augmenter, de faire accélérer le métabolisme. Parce que quand tu t'empiffres, ton corps doit travailler pour éliminer ou pour stocker, mais il bosse. Et donc, quand il fait ça, tout de suite après, boum, on tombe à 500 calories et ton métabolisme, il est là. Et étant donné que tu vas avoir l'activateur qui ouvre les cellules graisseuses, dans l'énergie dont le corps il a besoin pour carburer, va venir de cette graisse. Et donc, en fait, il va continuer à recevoir le même niveau de calories qu'il a eu quand tu t'es empiffré. Donc, imaginons que tu es arrivé à 2000 calories. Hein, et donc, tes graisses vont être utilisées. Une graisse a beaucoup de calories. Et donc, ton corps peut prendre jusqu'à ces 2000 calories, nickel, tranquille, et tu n'as pas de baisse d'énergie. Et donc, ça, c'est incroyable parce que ton métabolisme, tu ne peux pas avoir de yo-yo par la suite, puisque tu n'as pas perdu de muscle et que ton corps n'a pas dit, tiens, c'est la 17 ici, on ne me donne plus rien à manger, je n'ai que 500 calories, je vais baisser mon métabolisme, je vais lui donner froid, je vais la rendre fatiguée pour qu'elle dorme et qu'elle arrête. Ce n'est pas le cas pendant cette cure. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, quand tu finis cette phase de stabilisation, ton métabolisme est en haut. Il n'est pas encore descendu de je ne sais pas combien de calories. Donc l'effet de yo-yo, il est normalement totalement fini. Maintenant, il est clair et net que puisque tu as travaillé sur tes addictions, tes habitudes, si après la cure, tu recommences à t'empiffrer avec toutes les crasses du monde, boire de l'alcool, il est évident qu'il va quand même prendre du poids. Là, il n'y a pas photo, hein. Mais ça, il n'y a pas de secret. Mais voilà, normalement. Tu vois plein de gens et j'ai même une collègue au travail qui a fait ça l'année dernière, enchantée. Je n'ai entendu que des gens qui sont super enchantés et que c'est le seul programme qu'ils ont fait jusqu'à présent grâce à cet activateur qui a fait en sorte qu'elles ont perdu aux bons endroits et qu'elles n'ont pas repris. Donc, je crois que c'est excellent. Et je t'invite à faire cette cure ensemble dans le groupe avec mon aide. Mon enthousiasme est de vraiment en profiter.
Parce que c'est pour préparer la rentrée. La rentrée, souvent, c'est très dur pour tout le monde. Il faut avoir plein d'énergie. Profite de ce mois d'août où tu peux être en congé, ou peut-être où le travail est un peu ralenti. Hein, beaucoup de gens sont partis pour pouvoir vraiment te donner de l'espace, te donner du temps et de faire quelque chose qui va te booster pour la rentrée. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Et je vais voir un peu si quelqu'un a mis des commentaires ici dans les conversations. J'essaye de me familiariser avec le Zoom. Ouais. Je vais devoir vous quitter. J'ai des lutins affamés. Ben oui, ça, je peux comprendre. De toute façon, vous allez recevoir le replay. Peut-être pas de la conférence d'aujourd'hui, mais celle d'hier. Je la trouvais bien. Et donc voilà, Virginie et Marie-Pascale, si vous avez des questions, peut-être, je ne sais pas, je crois qu'il est quand même tard. Moi aussi, mes hommes m'ont fait à manger là. Je ne vois plus l'heure. Quelle heure il est? Il est, oui, ben, ça fait 1 heure. Je crois que c'est assez long. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si ça vous intéresse, cette cure, idéalement demain pour profiter de cette réduction de 50 euros. C'est quand même pas rien. Et de pouvoir commander les produits avec toute légèreté et ben, voilà, conviction, je dirais. OK, je vous souhaite une très, très belle soirée et à très bientôt. Bisous!